On ne va pas se le cacher, on a tous déjà utilisé une stratégie parmi celles-là pour approcher quelqu'un qui nous intéressait dans le passé. Mais est-ce qu'approcher quelqu'un se faisait mieux avant qu'arrive la fameuse époque Internet? Bon, avant tout, mettons-nous d'accord sur ce qu'on entend par « avant Internet ». On pense directement aux années qu'ont vécu nos grands-parents qui nous regardent aujourd'hui avec nos téléphones intelligents comme si nous étions de vrais aliens. À cette époque-là, ce que nous, on appelle aujourd'hui des « one night », eh bien, ça n'existait pas. L'accès à un être qui nous complétait et intéressait si fortement était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Par contre, les stratégies d'approche, elles, étaient bien plus simples. Et comme nous explique la vétérane du domaine Roland Munger, l'approche de quelqu'un d'intéressant passait par des contacts humains avant tout. Il y avait quelqu'un qui est venu me chercher pour danser. J'avais un foulard dans le cou. J'ai échappé mon foulard. Elle a échappé son foulard. J'ai échappé mon foulard. Par exprès. J'ai raison. Et le jeune homme, gentiment, me ramasse mon foulard. Oh, je dis, mon Dieu, t'es fin, je te remercie. Je dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour te remercier? Ben, j'aimerais ça avoir une danse avec toi. Et puis, même dans leur relation interpersonnelle, ça se passait beaucoup moins rapidement qu'aujourd'hui. On a sorti 4 ans et demi ensemble. OK. Vous êtes laissé après? Non. OK. Après ça, on s'est mariés. On s'est mariés, c'est ça. On a été quand même 4 ans et demi ensemble. Pour vous dire, les gars, là, hein, 4 ans et demi, t'as jamais couché avec ton gars. Ouais. OK. Ça fait spécial de se rappeler de ça. Selon la criminologue spécialisée en relations familiales Annie Filion, le gros changement qu'elle note entre notre génération de milléniaux et ceux de nos grands-parents est la présence accrue des jeux de séduction et des relations semi-engagées qui sont très présentes dans la vie des gens d'aujourd'hui. Je vois beaucoup chez les jeunes aussi, au niveau des adolescents, adolescentes, des relations semi-engagées. Je vais dire ça comme ça, on dit des fréquentations, qui fait que on s'engage, mais on ne s'engage pas. Tu sais, je trouve quelqu'un de mieux ou de plus intéressant la semaine prochaine, ben, je vais pouvoir partir avec ça. Tu sais. Bon, pour être sûr d'avoir un maximum de diversité dans notre enquête, nous sommes allés à la rencontre de David Morin et Caroline Tremblay, qui, eux, se sont rencontrés via le défunt site de rencontre SaguenayWeb et qui sont maintenant ensemble depuis 13 ans, en plus d'avoir un jeune garçon. M. Morin était alors le DJ résident du bar Le Phoenix et avait reconnu une fille qu'il trouvait de son goût sur des photos prises par le photographe officiel de l'établissement. Il avait alors envoyé des messages à Mme Morin, comme de quoi ils avaient un contact en commun, ce qui avait retenu l'attention de la jeune dame. Bien, ma chum de fille, avec qui j'étais allée au bar, c'est sa coiffeuse. Puis c'était aussi son amie. S'il ne m'avait pas dit ça, je n'aurais jamais parlé. Arrive enfin le temps de parler de nous, les milléniaux et notre génération branchée sur Internet comme jamais. Notre équipe d'enquêteurs est allée sur le terrain, dans les cégeps, afin de savoir comment eux approchaient quelqu'un qui les intéressait. Si plusieurs y vont via texto et approche sur le net. On s'est approché, dans le fond, on s'est juste texté sur Facebook pendant une semaine, puis après ça, on s'est rencontrés, puis ça a cliqué de moi. Ma blonde était amie avec une des filles qui était avec moi dans mes cours, fait qu'elles sont venues ensemble en informatique, puis après ça, j'ai commencé à y parler par là. Oui, moi, je l'avais vu dans mon cours, mais c'est évidemment par message texte que j'ai fait le premier pas. Certains y vont encore à l'ancienne avec des approches encore très réelles et plus directes. Ben souvent, je vais la voir dans le fond, puis je vais lui dire dans le fond, ben hey, je pense que j'ai déjà rêvé à tout. Hein. J'ai rêvé que nos mains se touchaient, puis que le courant passait. Je la croisais à l'école, puis. Je suis quand même quelqu'un de sympathique, fait que c'est plus avec les petites histoires drôles puis tout ça, là, on y va avec ça. Je vais aller parler, mais pas en disant genre salut parce que c'est malaisant. Je vais plus comme trouver un sujet par rapport pour que ça soit comme plus. Tu continues la conversation. Alors, ce qu'on a analysé dans cette première partie de notre enquête, c'est que les gens qui se servent d'Internet pour approcher quelqu'un qui les intéresse le font après avoir vu la personne dans la vraie vie la plupart du temps. Maintenant, il nous reste à aller présenter ces stratégies entre générations. Eux, ils pourront certainement nous éclairer. D'ici là, n'hésitez pas à utiliser nos stratégies à nous. Allez, ciao!